le cadeau à maman pour la fête des mères? Tu le prends? Chérie, je viens d'arriver devant l'atelier des chefs où je vais du coup faire mon cours de pâtisserie. Alors je vous avoue que je ne suis pas très douée en pâtisserie et c'est d'ailleurs pour ça que c'est génial parce que je vais pouvoir me perfectionner, m'améliorer. Et aujourd'hui c'est atelier macarons parce que j'adore ça et en plus je vais pouvoir les refaire à la maison pour mon amour. Je trouve ça super, Wonderbox, franchement moi c'est une marque que je connais depuis des années et le fait de pouvoir faire des activités comme ça, voilà, pas forcément des activités qui sont communes, qu'on a l'habitude de faire. On sort un peu de notre zone de confort et moi ça me plaît beaucoup. Surtout qu'il y a plein de possibilités. Moi j'ai choisi l'atelier macaron et cuisine, mais vous avez plein d'autres choix. Voilà, donc let's go. Et ça y est, j'ai fini mon expérience avec Wonderbox, c'était génial. Je me suis régalée, je suis revenue avec des super macarons à déguster maintenant, mais franchement c'était un régal. J'ai rencontré des super personnes, on s'est bien amusé et j'adore Wonderbox parce qu'en fait vous avez plein de possibilités, que ce soit des coffrets par exemple sensations si vous aimez les sensations, romantiques, lieux insolites, et c'est vous qui choisissez en fait ce que vous voulez faire et dans quel lieu vous voulez le faire, et il y a plein de possibilités, donc ça c'est cool. C'est une très belle idée cadeau. En plus bientôt il y a la fête des mères, moi je vais vous offrir un code supplémentaire de moins 15%, donc c'est le moment d'en profiter. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. Alors je vous montre un peu par exemple les coffrets que vous pouvez avoir pour la fête des mères et je trouve ça génial. Donc par exemple le Je t'aime maman, donc dans les émotions vous avez l'opportunité de faire des séjours authentiques, que ce soit dans des maisons d'hôtes, des hébergements insolites, vous avez des repas gourmands aussi, vous avez des rituels de bien-être, vous avez des activités de loisirs, dans le sensation aussi vous avez d'autres choses, notamment des activités sportives, de la plongée sous-marine, du vol en avion, des randonnées en vélo électrique, enfin voilà il y a plein de choses. Donc ça peut être une super belle idée de cadeau pour la fête des mères qui arrive bientôt. Tu portes le prénom de l'amour. Faut dire que t'en as la gueule et les contours. Tu portes la romance et les bouquets de roses que l'on offre en février.